Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous montrer comment crocheter petit bonnet de 3 à 6 mois. Et je vais utiliser une laine en deux couleurs. Je vais commencer le bonnet avec orange pâle et je vais utiliser mon crochet numéro 5. Je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je vais créer un anneau. Dans cet anneau, je vais faire 12 brides. Mais tout d'abord 2 mailles en l'air. Et je vais finir par faire une maille coulée. Alors j'ai 12 brides ici. Je continue avec le rang suivant. C'est le rang 2, 2 mailles en l'air. Dans chaque maille, je vais crocheter 2 brides. Je vais doubler le nombre des mailles. Quand je finis le rang 2, je vais avoir 24 brides. Je vais joindre pour finir le rang 2. Et voilà. Pour le rang suivant, 2 mailles en l'air, un jeté. Dans chaque maille qui est impair, je vais crocheter 2 brides. Et dans chaque maille pair, je vais faire une seule bride. Et je continue à répéter tout autour jusqu'à la fin du rang 3. Et je vais faire la dernière bride, après je vais joindre. Et mon rang 3, il est complété et j'ai 36 brides. Le rang suivant, 2 mailles en l'air, jeté, et dans la première maille, je vais crocheter 2 brides. Maintenant, je vais faire une seule bride dans les 5 mailles suivantes. Un jeté et 2 brides. Un jeté et 5 fois une seule bride dans les 5 mailles suivantes.
Et maintenant, deux brides. Et je continue à répéter. Et je vais finir le rang par faire une maille coulée. Pour le rang 4, j'ai 42 brides. Je continue avec le rang 5. Je vais plus augmenter 2 mailles à l'air. Ajouter, je vais crocheter une bride dans chaque maille. Alors, je viens de finir le dernier rang. J'ai déjà 8 rangs qui sont complétés. Et je vais changer la couleur. Je vais continuer avec la couleur crème. Une, deux, trois mailles à l'air. Et je les prends en compte. C'est une bride en fait. Et après, je vais faire une autre bride dans la même maille. Une maille à l'air, un jeté et encore deux brides dans la même maille. Un jeté, je vais sauter deux brides dans la troisième. Je vais crocheter deux brides, une maille à l'air, un jeté et encore deux brides. Un jeté, je vais sauter deux mailles et je répète deux brides, une maille à l'air, un jeté et deux brides. Un jeté, sauter deux mailles et répéter. Ajouter, je vais sauter deux brides et je répète. Deux brides, une maille à l'air et deux brides. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang 9. Les deux dernières brides, une maille en l'air et encore deux brides. Je vais joindre sur la deuxième bride.
je vais crocheter un cœur en rond. Dans cet espace-là, c'est l'espace qui est entre les brides. Je vais faire une maille coulée. Après, 3 mailles à l'air. Ajouter et une bride. Une maille à l'air et encore 2 brides. Ajouter et je vais répéter 2 brides, une maille à l'air, 2 brides dans l'espace suivant. Dans chaque espace d'une maille en l'air, je vais crocheter 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et je vais joindre sur la deuxième bride ici. Une maille à l'air pour finir. Voilà, notre petit bonnet, il est prêt. Il est magnifique. Il est très doux et très chaud. La taille de bonnet, c'est de 0 à 6 mois. Merci beaucoup de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais publier des vidéos français chaque semaine. Je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine.